Bonjour les gens, on va jouer un peu Undermine. Parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué. Peut-être qu'un jour on va finir par le terminer aussi, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout. Alors, je crois que j'avais déjà préparé. Ouais, je m'étais déjà équipé de quelque chose. Libère parfois une nuée de couteaux à chaque lancée. Les coups critiques augmentent temporairement les chances de coups critiques. 2619, je peux rien faire d'autre, donc c'est parti! En route. J'ai oublié de changer de piaf aussi, à chaque fois j'oublie de changer d'oiseau. J'en ai des nouveaux et ça pourrait être pas mal que je les équipe. Salut Sirim sur le chat. J'aime bien ce jeu, mine de rien. Ok, j'ai de la bouffe. Alors, normalement, j'ai réussi à augmenter le niveau de mon micro, donc j'espère que vous m'entendez bien, entendez mieux, que c'est pas saturé. Je ne cache pas que j'ai un peu galéré. Parce que, mine de rien, le micro-casque, c'est pas tout à fait l'ancien micro Yeti. Qui, au passage, je confirme, est définitivement mort. Je l'ai testé sur un autre ordinateur avec un autre câble. Le micro ne marche plus, malheureusement. Pour l'instant, on va devoir se contenter de celui-là. Ajoute un point d'armure à la jauge de vie. Salut Raphaël64 sur le chat. Donc ouais, dites-le moi, hein, si vous m'entendez bien, si vous m'entendez mal. Normalement, ça devrait être bon, mais... Je préfère le savoir. Hop. Ah, tu m'as touché, c'est fâcheux ça. Ça c'est cool. Viens là. Parfait. On m'entend bien, parfait, parfait, parfait. Ok, passage secret. Je pourrais faire péter ça et trouver un objet, mais je vais avoir une malédiction. Ah, ceci étant dit, j'ai trouvé des trucs plutôt cool. C'est quoi la malédiction? Chance de lâcher une bombe après avoir subi des dégâts. Ok. Voilà ce qu'il y a de plus embêtant comme malédiction. Pas idéal, mais pas ce qu'il y a de plus galère. Hop. Alors évidemment si les autres... Si eux ils marchent sur les pièges, ça va pas le faire. Voilà. Tout est beau. J'avais rien trouvé. Ouais, il y a une salle là-bas, mais ça... J'ai un peu la flemme d'y aller, donc... On va continuer de descendre. Hop. On pourrait faire péter ça, mais j'ai qu'une seule bombe, donc on va la garder. On peut aller chez le marchand. Tu vends quoi de beau? 160, une clé. On fait 7 clés. Ah, toi tu m'arranges. Je vais pouvoir balancer des bombes un peu partout là. Là, balance une bombe là. Ok. Ah, là il y a un passage secret, si tu pouvais l'ouvrir ça serait cool. Merci. T'as réussi à t'enfuir. Toi, t'as pas réussi à t'enfuir. Viens péter ça. Voilà. Ça, je prends ce qu'il y a là-dedans sans subir le malus. Ah, fais péter ça aussi. Et
puis ça. Parfait. Maintenant tu peux mourir. Alors on va aller voir ce qu'il y a dans le passage secret ici. Salut Grimus sur le chat. Ok, encore une bombe, un peu de thunes. Je pourrais faire péter ça, mais je sais pas si ça vaut le coup. Ça c'était pas prévu. Ok. Voilà. Et là on a un autre passage secret. On va l'explorer tout de suite. Grimus qui demande si j'ai la malédiction, si c'est le monstre qui pète la flamme violette. Bah écoute, apparemment non. Parce qu'il a balancé une bombe dessus et j'ai eu ce qui était à l'intérieur de la flamme violette, mais j'ai pas eu de malédiction. Après j'ai pas eu de gros bonus non plus. Hein. Ça c'est cool. On va le deuxième coffre. Nice. Ouais, c'est plutôt rentable tout ça. Là il y a encore de l'or. Après faut voir si c'est un monstre qui pète la flamme, peut-être que t'as pas de bénédiction mais t'as pas de malus non plus. Lancer très rapide. C'est cool. Non, bah écoute, tu vois. Ça, c'est la même malédiction que j'avais déjà chopé avant. Parce que j'avais fait péter une autre flamme violette avant, moi-même. Donc c'est la seule malédiction que j'ai eue. C'est peut-être un bug, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu qu'une seule malédiction et j'ai fait péter deux flammes violettes. Hop. Là-bas, c'est le niveau inférieur. On va aller voir ici. Là, je vais me taper une autre malédiction. Permet d'augmenter la taille des bombes. Ouais. Ah, ça m'arrange pas, par contre, tu vois. Ça, cette malédiction, je n'en suis vraiment pas fan. Me taper des mimiques partout, là. Ouais, ça, je l'aime pas trop. Du coup, je vais pas utiliser ma vie pour aller chercher ça. On débarrasse. Faut que je me débarrasse de cette malédiction. Elle est vraiment naze. Quoi ça? Sort des bombes. Tuer des ennemis avec une bombe fait apparaître une nouvelle bombe. Les bombes transportées diminuent les dégâts de lancer et de frappe. Ouais. Permet de bloquer un coup de temps en temps, ouais. De temps en temps, non. Une fois sur deux, oui, mais de temps en temps... Ça me tente pas trop. J'ai trouvé une bombe. Ah, c'est cool, hein. 8 bombes, 9 clés, alors qu'on est qu'au 3ème niveau, c'est quand même pas mal. Ah. Ah bah oui, tiens. Deux fois de suite me faire toucher bêtement. Sinon c'est pas drôle. On va aller là, prendre le trésor. Quoi ça? Bombe éclair, ouais. Pas vraiment ce qui me plaît le plus, mais bon. On va faire avec. On va aller retirer une malédiction, ça va me coûter de la thune, mais bon. Avant de faire ça, on va voir, on va quand même se promener à l'étage. Si ça se trouve, je vais peut-être ramasser un objet qui va me débarrasser d'une malédiction. Ne rushons pas trop vite l'hôtel. Ok, l'araignée, si tu pouvais crever, je serais ravi. Hop là.
pas un truc pour envoyer une malédiction à tout hasard caché là. On va aller en haut, vu qu'il n'est pas visité le haut. Quoique non, pourquoi je te bute toi? Oh, balance une bombe ici. Ouais, ici si vous voulez, faites-vous plaisir. Là, là, là c'est bien. Ah merde, c'est une mimique. Ok, heureusement je l'ai buté la mimique. Alors un, ça va suffire par contre. Éviter de tomber dans les trous, ça va me servir. Rends-moi ça, toi. Lance une bombe ici. Merci. Tiens, tu peux tout faire péter aussi. Ah oui, j'ai oublié que toi t'étais Monsieur Subtilité. Par ici, mon grand. Merde, t'es mort avant. T'es mort avant, fâcheux. Pas la fin du monde, fâcheux. Là, j'ai des objets utiles, on va utiliser tout de suite. On va aller voir la boutique secrète. Qui me permet de trouver un objet. Bon, la taille des bombes, vas-y. Ça va me faire des bombes puissantes, hein. Après tout, je pourrais faire péter plus de blocs à la fois. Je préférais avoir autre chose à ce stade du jeu. Génère continuellement de l'or. Ouais, vas-y, on va tout acheter. Plein d'or! Plein d'or, c'est la fête! Hop! Et vous avez pris tout l'or qui était là. On peut se casser. Ça, j'y suis déjà allé. Ah putain, il y a des mimiques partout maintenant. Je vais me taper des mimiques partout. Faut vraiment que je me débarrasse de cette malédiction, elle est toute... elle est vraiment pourrave. Elle est vraiment toute naze. J'ai pensé à la mimique que j'ai affrontée dans Baldur's Gate 2 l'autre jour. 15 points de vie. Ouais, vas-y. Ça me sert pas, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on va garder notre vie, là. On va garder notre vie, on va aller à l'hôtel, avec un peu de chance. Non, c'est pas là que je vais aller. J'ai une chance sur deux pour qu'il se débarrasse de la bonne malédiction. Hop. Évidemment, tu t'es débarrassé de celle qui me gênait le moins. Moi et ma chance légendaire de toute façon. Ah putain. J'ai encore cette foutue malédiction. Pas de passage secret. On descend. Priorité, se débarrasser de cette malédiction de merde. Tu vas où comme ça, toi, exactement là? Je sais que c'est 10 pièces d'or, mais... ouais, vas-y. On va aller explorer de l'autre côté. Je me suis pris les dégâts dans la figure. Là, il n'y a rien d'autre. De la bouffe. Ça permet de réparer ma bêtise. Il y a de l'or là. On va d'abord aller à gauche vu que c'est un cul-de-sac. Ce serait bien de tout péter en fait. Alors, est-ce que je vais avoir deux mimiques ou pas?
Putain. Bon, j'espère que le deuxième coffre, c'est pas une mimique quand même. Si, c'est une mimique. Putain, y'a que des mimiques. Y'a que des mimiques. Bon, ça me donne quand même des trucs, mais pas autant que je voudrais. On va faire péter ça, tiens. Fais péter ça aussi. Mais là, y a rien. Il faut vraiment que je me débarrasse de cette malédiction, sinon je vais affronter des mimiques jusqu'à la fin des temps. Hop, niveau supérieur. Ça c'est cool. Ça permettra d'éviter de perdre de la vie bêtement. Pas aller chercher ça. Hein. Ça m'arrange pas par contre. Et une bombe pour une bombe. Là il y a le trésor. Ça c'est cool. Voilà, l'or qui se duplique aussi rapidement, ça peut être pratique. Vas-y, hein, je vais sauter dans le trou, ça ira plus vite. Plutôt que de faire tout le tour là. Ça revient ici direct. Tac. Voilà. C'est parti pour le château. On a un peu de temps avant que j'arrive là où je veux arriver, mais si je me presse pas, c'est parce que j'ai envie d'accumuler un max de bénédictions avant d'arriver au boss. Sinon évidemment je pourrais prendre le TP et aller directement dans la zone du boss, mais enfin dans le monde du boss, où j'en suis. Mais je pense pas que ça serait très intéressant, parce que j'arriverai vraiment tout faible. On va se débarrasser de ça tout de suite. Ça va coûter cher, mais tant pis. Cette malédiction de merde, il était temps que je m'en débarrasse quand même. Ouf, ça c'est pas bon. J'aurais dû sauter. Je prends très cher là. Ok, alors j'ai perdu de la vie un peu bêtement. Non, mon or! Putain. Je sais pas, mon or. Bonus que j'aimerais avoir, c'est l'or qui explose lorsqu'il touche le sol. Sérieux? Ça valait bien le coup d'enlever le. Ok. Je perds de la vie bêtement là. Et je me tape encore une putain de mimique. Enfin, c'était mimique partie là hein, depuis que j'ai démarré mon nouveau run. Vas-y, fais péter ça. C'est quoi ça? Les coffres sont parfois vides. Ah, écoute, tant que c'est parfois. Hop. Voilà, ça c'est fait. L'or se duplique. L'or se duplique et tu ne touches pas mon or, petite créature. Toi non plus, si possible. On va aller chez le marchand. Oh, Grimus qui dit une mimique vite, ça serait chiant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Renvoyer les gars, les amplifie. Je vais pas prendre deux clés, hein. 12 clés, je pense qu'on est quand même relativement large.
Ok. Donc ça c'est cool. Hop. Et voilà. Oh, il y a ça aussi. Je prends pas ce qu'au centre. À gauche, il y a le trésor, on va le choper. Donc ça, ça t'immunise aux bombes, je crois. Ouais, c'est ça. Salut Kizil sur le chat. Le son du jeu est assez fort, au fait. On va mettre un poil plus fort. Ok, on a fini cet étage. Hop. Allez, niveau inférieur, c'est parti. Plein. Ça va tranquille, là vous vous faites plaisir. Hein. Alors, c'est pas assez de ça. Merde, évidemment qu'il fallait que je me ramasse un sur la gueule. Ah, je t'avais pas vu, pourriture. Je t'avais pas vu, pourriture. J'ai récupéré ma thune ou pas? Je sais même pas. Il est allé dans le dans l'extrême nord de la pièce. Je voyais plus la pépite dans l'écran. Il a peut-être fait disparaître la pépite. Je vais garder ma malédiction pour l'instant. Je trouve que les bénédictions les plus craquées que tu peux avoir en début de partie, c'est probablement l'or qui se duplique, l'or qui fait tout péter lorsqu'il tombe au sol. Et les bottes qui te permettent de marcher dans le vide. Ça c'est. Si t'arrives à avoir tout ça en début de partie, c'est plutôt cool. Ça c'est moins cool par contre. Oh, je peux faire. Réduit les dégâts élémentaires. Ok, donc j'ai pas mal de réduction de dégâts. Qu'est-ce que tu m'offres là-dedans, toi? Vitesse de frappe augmentée, dégâts de frappe augmentée. Inflige des dégâts de lancer supplémentaires, je pense qu'on va prendre ça. C'est quoi la malédiction? Réduit la quantité d'or obtenue. C'est chiant mais pas ultra chiant vu que l'or peut être dupliqué parfois. Je vais pas trop m'en plaindre. Tu vas pas faire long feu. Parfait. Oh, les trucs qui balancent du feu. Je sais qu'on peut les faire péter ces trucs là, mais bon. Dommage. Ça m'arrange, hein. Ça c'est bon, on va aller chez le marchand. J'ai plus beaucoup de vie par contre. Ah, ça, bah tout m'arrange là en fait. Du coup, on va prendre ça. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Acheter item qui permet de gagner tout mon or après la mort. Déjà, ça c'est une bonne chose de fait. Ah, bah les coffres sont déjà vides effectivement. Tant pis. Au moins tu sais quand les coffres sont vides. C'est pas genre t'ouvres un coffre et il est vide, c'est tu sais déjà qu'il est vide quoi. Hop là. Salut Ken Browning sur le chat.
Hop, tout se duplique. Bon, ça c'est pas énormément dupliqué, mais ça c'est quand même un peu dupliqué. Et... voilà, vous vous crevez. Forme de pourriture. On va retourner chez le marchand. Bon, écoute. Je vais pas m'en plaindre, moi. Tu me proposes de m'enlever des malédictions, je le fais direct. Je sais plus comment on l'active celle-là. Faut faire péter ça, peut-être, je sais plus. Ouais, ça doit être ça. J'espère que c'est pas une mimique. Non, ça va. La bouffe. Toi, tu lâches ça. Deux bombes pour un peu de bouffe et un peu de thunes. Ok. Oh, ça, j'aime pas ce bruit-là. Ok, on a réussi à esquiver ça juste à temps. Hop, dégagez-vous. Je crois que la pire malédiction que j'ai eue, enfin une des pires, c'est de... celle qui affecte les blobs justement qui apparaissent. C'est une malédiction qui te transforme ces blobs en blobs noirs qui te font des dégâts. T'as clairement pas envie de te ramasser ça sur la gueule. Augmente la vie, les dégâts de frappe et les vitesses d'attaque. Je dis oui, merci. Il faudra juste que je récupère de la vie en fait. Un passage secret. Hop. Grimus qui dit tu es aussi celui où chaque monstre a drop une araignée en mourant. Ouais, celui-là il est bien chiant aussi. C'est vrai qu'il est casse-couille. J'aurais bien voulu un peu de bouffe là, mais bon, c'est pas grave. Quoi ça déjà? Ok. Qu'est-ce que tu me proposes, toi? Les soins sont plus efficaces, ouais. Ça, on s'en fout. Je pourrais augmenter les dégâts de lancer. Je pourrais augmenter les dégâts de frappe. On va augmenter les dégâts de lancer. C'est pas la malédiction que j'ai eue. Vous perdrez plus d'or lors de votre mort. Eh bah, ça marchera pas, ça. Enfin, j'espère qu'une bénédiction annule une malédiction, c'est surtout ça. Parce que là, j'ai chopé ça. Ça permet de garder tout votre or après votre mort. C'est une bonne question d'ailleurs. Je me demande si les bénédictions prennent l'avantage sur les malédictions. J'espère que c'est le cas. Passage. Ok, les clés. Oh! Toi, tu vas vite t'en prendre plein de coups de piège dans la gueule, s'il te plaît. Ok, ça va tranquille, vous faites plaisir là, là-haut. Vous faites plaisir, mais je me fais plaisir aussi, donc... Peut-être arrêter les dégâts. Ah, qui a bugué là. Ah bah vas-y. Grimus qui dit, tu peux le voir en regardant l'intégrité sur la page personnage. Alors, la page personnage... C'est où que tu vois ça?
C'est où que tu vois ça? Ah oui, intégrité de l'or. 100%, ok. Effectivement, donc, la bénédiction prévaut sur la malédiction. Ce qui est une excellente nouvelle. Je vais pas m'en cacher. Ouais, j'ai vu ça, Grimus. Merci. Dommage. On va aller chez le marchand tout de suite. On va prendre ça tout de suite. Hop. Voilà. On prend ça. On va acheter une bombe. J'achète tout. J'ai pas envie de me casser tout de suite. J'aimerais d'abord récupérer quelques bonus supplémentaires et surtout un peu plus d'or. Oh bah c'est mal fréquenté ici. Ok, fort bien. Un peu dégusté, mais c'est pas grave. Il y a un passage secret. Ok. Dommage, ça a rien donné. Je vais choper une autre. Ouais, je sais pas. Accumuler des malédictions, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus. Rends-moi mon or, toi. Toi, la magicienne à la noix, là, tu peux dégager. Et merci. Je commence à faire des dégâts respectables à distance là. Le fait que eux je les one shot déjà, c'est plutôt cool. T'es mort. Hop. Dommage. Là-haut, il y a encore de l'or. Voilà. Donc ça c'est fait, on va aller prendre le trésor. On va faire une chance d'éviter la mort, ouais. Encore une fois, pas spécialement l'item qui m'enchante le plus, mais bon. Écoute. On va le prendre, hein. Ah, je suis débile, j'aurais pas dû le prendre. J'aurais dû lui prendre une bénédiction et ensuite revenir prendre ça. Tant pis. Ce sont des petites erreurs. Parce que là, en fait, la malédiction que j'avais ne m'affectait pas. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre une bénédiction et à la limite prendre le risque d'aller choper l'item qui te supprime les malédictions après. Mais bon, c'est pas grave. Ok, niveau vie, on n'est pas trop mal. Hop, c'est parti. C'est parti. Donc on est dans les salles maintenant. Hop. Ah, mine de rien, hein, l'or s'accumule pas mal. Ça, c'est cool. Ah, évidemment que tu prends la plus grosse pépite. Pourriture de blob. Ah, les blobs c'est mignon. Ah non, les blobs ça te pique ta thune. Et après tu fais la gueule. Hop. On va aller chez le marchand tout de suite. Oh, sympa ça. Du coup, aller chez le marchand tout de suite, c'est peut-être pas si important que ça. C'est quoi ça déjà ?
Fait apparaître un coffre aléatoire. Vas-y. Ah bah. Plutôt rigolo ça. Le coffre aléatoire m'a droppé une potion qui fait apparaître un autre coffre aléatoire. Ah, celui-là c'est moins cool par contre. Ok, augmenter les dégâts de frappe. Quoi ça? Téléporte à chaque coup reçu? Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors, j'ai un gars qui dit le passage secret en bas dans la salle entre le marchand et on ne sait pas quoi. Alors, il y a un passage secret ici, c'est possible, j'ai peut-être pas vu. Ah oui, non, je l'ai pas vu. Il va falloir que je me débarrasse de ce que j'ai là. Ouais, voilà. Il faut vite que je me débarrasse de ça. Dans le genre malédiction pour Raph, ça c'est pas mal. Oui, c'est vraiment de la merde. Ouais, tu vas me retirer ça tout de suite. Donc, je viens de découvrir une nouvelle malédiction qui peut s'avérer extrêmement chiante. Et ça tape tes potes. Oh putain. Toute cette violence. Non, tu peux crever aussi, hein. Ça m'ira très bien. Alors, on va aller là. Ok, c'est cool. Quoi ça? Ça permet de lancer des boules de feu, ça m'intéresse pas. Salut Clamman sur le chat. Hop. Ok. Un peu le bordel là. Par un peu, je veux dire beaucoup. J'ai récupéré mon or. Mais c'est fini tout. Putain, il me pique tout mon or là. Pas tomber dans le trou. Ouais, super, merci. Super. Les ennemis qui vont dans les trous, généralement, c'est une bonne nouvelle. Surtout ceux qui te foncent dessus. Oh, c'est quoi ça? T'en prends un des trois, c'est ça? Choisir. Dégâts de lancer, ça, je m'en fous. Oh, améliorer mes dégâts de frappe. Je pourrais améliorer mes dégâts de lancer. On va continuer de se spécialiser en dégâts de frappe. J'ai déjà à 5 améliorations là. Je pense que quand tu peux tuer en restant à distance, ça augmente tes chances de survie. Hop là. Soigne de nouveau lors de soins reçus, ouais. Ça je pensais que c'était bien, mais au final quand tu vois le peu de points de vie que ça te rajoute après, c'est genre tu récupères 2 points de vie, ou 1 point de vie, un truc dans le genre. C'est mieux que rien, bien sûr, mais c'est pas non plus l'extase. Eh ben, dis donc, ça y va les blobs, hein. La fabrique de blocs qui est dans le coin. Je fais plus de dégâts avec mes attaques à distance. Pourquoi me faire chier à attaquer à bout portant? Alors que je suis le roi du lancer de pioche. Vas-y. Eh bah putain, il y en a de l'or ici. Vous pouvez dégager aussi, hein. Ça c'est à moi, et ça c'est à moi aussi, merci. Ah, laisse tomber. J'ai pas de malédiction. Je vais en profiter. Voilà.
Alors ce qui est bien maintenant que j'ai l'or qui se duplique, j'aimerais bien trouver la potion qui te fait apparaître de l'or. Hop là. Ah toi t'es mort en deux temps trois mouvements. Vous avez trouvé une bombe. Là y a rien. Si jamais je loupe une salle secrète, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Aïe, putain. Oh bah oui, tiens. Je pensais pas me faire autant toucher que ça. Hein. Évidemment. Et toi t'es mort. On va aller voir le trésor. Brise les pics et donne une réputation. Ok. J'aurai un peu moins d'opportunités de faire apparaître des coffres, mais si jamais j'ai une salle toute paire avec plein de pics, je pourrais marcher dessus. Augmente la défense lorsque la vie est critique. Vas-y, ça peut me sauver. La bombe, je vais la laisser. Quoique, la bombe. Merde. Oh putain. Voilà ce qui se passe lorsque t'hésites deux secondes. Tu fais de la merde. Ces trucs-là, j'ai jamais vraiment compris qu'est-ce qu'ils faisaient. Ce qui se passe lorsqu'on réfléchit trop. Kaboom! Hop! Merde, ça c'était pas très malin. En plus, ces idiots ils passent sur les pièges donc évidemment je vais me les prendre en pleine gueule. Voilà, merci. Il y a un passage secret à droite. Voilà. J'ai vu ce qu'il y a à droite, passage secret. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Oh, c'est bien, plutôt cool en plus ça comme salle. On devrait se ramasser pas mal de thunes là. Hop. Parfait. Et la petite dernière. Salut Elweird sur le chat. Ok, bah on est pas mal là. J'ai perdu pas mal de vie. Ouais, mais ça du coup, je pourrais pas en profiter. C'est là, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre des dégâts sur les... 3 pics et ça te donne un coffre secret. Pourquoi je m'acharne à les attaquer au corps à corps alors que je suis très bon à distance. Faudra un peu de thunes là. Un peu de thune, un peu de vie, pardon, je veux dire. Je dirais pas non pour un peu de vie. Ok, prends l'or si tu veux. On continue. Troisième salle. Ok, toi t'es mort, bonne nouvelle. Parfait. Hop 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 hop, où tu vas comme ça toi? Prends-moi la grosse pépite. Et toi aussi. Ouais ouais non, vous rêvez là.
Grimus qui me demande s'il fait jour chez moi. Oui, il fait jour chez moi. Il est 16h30 ici, si tu veux tout savoir. Salut Tirelou sur le chat. Comment ça va? Il n'est que 16h30. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. À part une clé. J'ai 13 clés, hein, ça commence à faire. Oh, toi, si tu pouvais vite crever. Merci. Hop. Voilà. Parfait. Obamiski, comme chez moi, il est 22h30. Oui, je suis pas sur le même continent que toi. C'est pour ça. Non, ça va, il fait jour. Il fait un peu gris, mais il fait jour. Hop. Voilà pourquoi j'aimerais avoir les bottes qui permettent de marcher dans le vide. Parce que là, j'aurais pu aller récupérer l'or qui est en haut. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est bon aussi. Ah, je peux pas encore les one-shot, elle. Hein. Le marchand, je vais avoir besoin de toi, là. Faut que je récupère de la vie. C'est quoi, ça? Les objets seront parfois dupliqués. Vas-y. Ah oui, au passage, Yamubot qui doit vous mettre un... Vous avez une question parce qu'il y a une clé pour Monster Train à gagner, si ça vous intéresse. Donc si jamais vous avez envie de gagner une clé pour Monster Train sur PC, il faut juste répondre à la question. Voilà, c'est la petite question concours que j'ai oublié de partager lors du stream de dimanche, mais elle est partageable aujourd'hui. Tiens, Luke, il est trois fois Moobot. Bah, Moobot, il communique pas mal de choses, en fait. Il communique les commandes, il communique l'agenda, il communique les questions. Il y a des commandes automatiques. Et je crois qu'il y a des commandes, en fait, qui se déclenchent automatiquement toutes les X lignes. Toutes les X lignes de chat. Ah oui, je m'en souviens de ça. T'as une meilleure portée, mais tu fais moins de dégâts. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas parce que je me suis spécialisé dans les combats à distance. Ok. Touche pas mon or, toi. Et Louis, ce qui dit zéro, non, ce n'est pas zéro. Donc la question, c'est combien de fois est-ce que j'ai terminé Fallout New Vegas depuis qu'il est sorti sur le marché? Deux clés pour ça, vas-y, ça m'intéresse. Tiens, Luke, il demande pourquoi le piaf ne va pas chercher de l'or, parce que ce n'est pas le piaf d'origine, t'as plusieurs oiseaux dans le jeu. Lui, c'est un piaf qui crache du feu de temps en temps, donc il fait des dégâts aux ennemis. J'avais pensé que j'allais bloquer d'autres oiseaux, et je pourrais peut-être aller les essayer à l'occasion. On verra. Hop. Voilà. Alors qu'il se duplique, c'est tellement la fête. Je suis déjà à 17 000, hein, mine de rien. Et oubliez pas, hein, je repartirai avec tout mon or si je meurs. Le problème, c'est quand tu veux te diriger. Oh, fantastique. Pour viser avec la pioche en la lançant avec le stick de la manette, c'est pas ce qu'il y a de mieux parfois. Allez. Parfait, ça c'est exactement ce que je voulais. Il y a un passage secret à gauche, je l'ai vu. Ah là, vous pouvez voir, l'oiseau il a fini le...
J'allais dire le crabe, mais c'est une araignée en fait. Ok. J'avais rien trouvé, tu sers à rien toi. Ah non. 500 d'or, je... Merde, j'aurais dû le fouiller avant, c'était pas très malin. Vous avez trouvé une clé? Ok, alors on va aller voir ici, nous avons un trésor. Pas de mimique, c'est plutôt cool. Passage secret. Ah merci, ça, ça fait toujours plaisir. Ouais, tu peux me foutre la paix toi, hein. Je te jure que je t'en voudrais pas si tu me laisses tranquille. Ah, il est mort, bonne nouvelle. Voilà, avant que tu repopes toi. Ok. Oui, je pense que vous êtes assez servi niveau or là, vous allez peut-être me laisser ma thune. Quoi ça? Inflige des dégâts de lancer supplémentaires lorsque votre vie est basse. Vas-y hein. Je me suis spécialisé en dégâts de lancer, donc pourquoi pas. Je vais l'acheter des bombes en permanence, un point d'armure, on va le prendre. La clé, je veux pas l'acheter honnêtement, j'en ai pas besoin. Ok. Là, je me souviens, les espèces de rogues là, me défonçaient la gueule en début de... Parce que j'étais en début d'aventure et que j'avais beaucoup moins d'expérience sur le jeu. Maintenant, ça va bien mieux. Le boss est déjà mort ici. Et j'ai vaincu le boss de cette zone là également. Bon là ça va commencer à devenir un poil plus sérieux par contre. J'aimerais bien au moins arriver au boss de la dernière zone avec vous là aujourd'hui. Parce que la dernière fois j'y suis arrivé mais on a un peu perdu... fait démolir la gueule là. Ouh, un gros jambon. Ça c'est une bonne nouvelle. Et un passage secret là. Il faut 3 clés pour ça. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va laisser le talisman. Ça, si jamais j'ai envie de me prendre une bénédiction, on pourra revenir ici pour enlever la malédiction qui est associée. Si je trouve un hôtel. Ok, c'est un peu le bordel là. Fais péter tes potes, c'est une super idée. Il m'a bien aidé le mec avec ses bombes là. Le marchand, je vais pas aller le voir tout de suite. Oh shit! Ok. Quand même pratique d'avoir une meilleure portée. Hein. Je peux les flinguer plus facilement. Je vais pas prendre la bouffe. Je vais prendre le point d'armure par contre. Ah c'est cool, on a des objets honorables, si je prends trop de dégâts à cet étage, je pourrais non seulement me soigner, mais également me retirer une malédiction. J'aimerais bien trouver un hôtel. C'est pas un hôtel. Choisir. Ouais. Pas ce qui m'excite le plus, ça. Si jamais je trouvais un autre, je prendrais à la limite le truc qui augmente la vitesse de lancer, mais...
Aïe, putain, t'es sérieux? Hop. Je fais quand même assez mal, hein. Hop là. Là, il y a un trésor, on va aller le choper. C'est quoi ça? Lance un projectile à chaque frappe. Ok. Comment là d'ailleurs? Ah, dégâts de lancer 72, dégâts de frappe 63. Je pense pas assez souvent à regarder les dégâts. Les stats de mon paysan. Oh shit! Alors, eux. Eux, faut faire très gaffe parce que. Quand ils touchent, ça plaisante pas. Leur rayon laser là, il fait très très mal. Ah oui, puis en plus les pics ne me font plus rien moi. J'avais oublié ça. C'est le problème quand tu commences à accumuler trop de bénédictions, tu sais plus qu'est-ce que t'as au bout d'un moment. Genre j'avais oublié que je pouvais plus marcher, que je pouvais marcher sur les pics sans danger. Du coup on va plutôt aller se prendre une bénédiction à l'hôtel et j'irai retirer la malédiction avec le talisman. Qu'est-ce que t'as de beau toi là-dedans? Tu pourras augmenter la vie. Les soins sont. Un fiche dégâts supplémentaire de lancer. On va prendre ça. 76. 3 points, ça pourra peut-être faire la différence. Hein. Je vais aller voir le vendeur quand même, on sait jamais, il a peut-être un truc cool à me vendre. On va aller récupérer le talisman tout de suite. Avant d'oublier. Je sais même pas ce que j'ai chopé, mais je l'ai plus. Ce qui est une très bonne nouvelle. Ce qui est une excellente nouvelle. J'ai plus beaucoup de clés au passage. Va falloir que j'en rachète. Là, j'ai des objets utiles, ouais, vas-y. On va prendre ça. Ah, je suis à 28 000 déjà, ok, c'est plutôt cool. Et on va aller à l'étage inférieur. Ok. De la thune, de la thune. Et une bombe parce que pourquoi pas. On est toujours dans les grottes. Bon, allez, eux ils font très mal quand ils touchent. Donc... Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave, j'ai perdu le contrôle. Moi ou ça rame un peu là. Attention qu'il y a des toutes petites baisses de framerate de temps en temps. Permet de renvoyer les projectiles avec une attaque. Ah, ça va être cool. Ouh, ça va même être très très cool contre le dernier boss. Si ça marche contre les attaques de boss bien sûr. Vu que cet enfoiré balance des projectiles. Et ça a puté vos potes. Voilà. Bien, marcher dans les pics quand même, c'est tellement le bonheur. Tu vas tellement à l'encontre de ce que tu peux faire dans tous les jeux vidéo que t'as connu jusqu'à présent. C'est un vrai petit bonheur. Ah, il y a des pics! Pas de problème, je marche dessus, j'ai détruit. est-ce qu'il y a un truc à faire dans cette pièce? Non.
Voler. Ça serait bien passé, ça me ralentit en plus cette daube. Hop là. Encore une araignée là. Tout ce qui me manque là, ça serait le truc qui fait exploser l'or quand l'or tombe au sol. Parce que l'or se duplique, donc il y a plus d'or qui tombe au sol, et comme ça explose, ça, j'ai plus de chances d'endommager plein d'ennemis à la fois. Ce qui est plutôt cool. Je pourrais bien sûr utiliser des bombes pour les en venir à bout d'eux, mais on va se contenter des attaques à distance. Ils font très mal par contre, faut faire gaffe. Ok. Le marchand est là. On va lui racheter ça. Et on va lui racheter ça aussi. Yep. Et là, il y a un passage secret. Ok. Donc on va aller. Ça, c'est quoi ça? Permet d'infliger et de subir des dégâts supplémentaires. Ça ne m'intéresse pas. Allez, on arrive bientôt à la zone qui m'intéresse. Pour l'instant, on se débrouille pas trop mal, je pense. Ok, je peux aller prendre une bénédiction à droite. Oh shit. Ah oui, ces trucs là, j'avais oublié. Ok. Faut que je fasse gaffe parce que eux là... électrocute assez violemment. Je pète des bombes. Vas-y, je sais pas ce que ça fait ça. Ça devait être ça. Cool, plein de bombes. Passage à droite. Alors ça c'est un peu le souci, c'est vu qu'il y a un décalage entre le stream et ce que vous me dites. Parfois je suis... soit j'ai déjà trouvé le passage, soit il va falloir me dire où est-ce que c'était exactement. Je regardais ailleurs et je me suis pris une flamme sur la gueule. Ok, tu l'as fait, parfait. Merci, c'est gentil d'avoir cassé ça pour moi. Hop. Technique de fourbe. Technique de fourbe, mais ça marche. Vole autour du paysan et électrocute tous les ennemis au contact. Ah, c'est pas mal ça. Je connaissais pas cet objet. Je commence à en avoir pas mal des babioles autour de moi là. Oh shit, ça c'est pas bon. Ok.
J'ai envie de faire dans la dentelle là, donc on va... Je sais pas pourquoi j'ai perdu autant de vie. Mais on va descendre parce que ça m'a pas fait du bien là, son... C'est ces conneries là. J'ai perdu énormément de vie. C'est un peu bordélique la salle. Ouais, ça c'est cool. Ah putain. C'était rentable. C'était très rentable. J'ai perdu beaucoup de vie aussi. Pièces d'or là, ce qui est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça relativement respectable. Évidemment, il y avait un trou et je l'ai pas eu parce qu'il y avait la map dessus. Tristesse. Bon, j'espère que t'as un gros gigot d'agneau parce que là, on est vraiment dans la daube niveau vie. Ouais, c'est pas vraiment ce qu'il me faut ça. On va voir ce que je trouve. Là, dans l'idéal, il faudrait que je trouve une tente. Mais bon. J'ai quand même quelques doutes. Ils m'ont bien tous défoncé dans cette salle, là. Qu'est-ce que tu me proposes de beau? Ouais. Prendre ça, faute de mieux. Je vais aller récupérer le talisman gratos là. Salut les Imorphies sur le chat. Je vais quand même faire péter ça au cas où il y aura un truc sympa caché derrière. Il n'y avait rien malheureusement. Ouais, fâcheux. Très fâcheux. Bon, on va voir, on va essayer de s'en sortir avec 84 points de vie. Enfin, 115 points de vie, pardon. Non seulement la salle a été étriquée, mais les ennemis étaient bien protégés. Ce qui ne m'a pas vraiment aidé. Okay, pas de passage secret a priori, donc on va descendre. On est où là? Ok, dernier niveau des grottes. Donc là, si je m'en sors, la prochaine zone sera la zone où j'ai un boss à affronter. En fait, ça, à chaque fois qu'il y a une bombe qui explose, ça fait... Oh, ça tombe à pic. Eh, si tu veux, vas-y, fais tout péter, mec. Balance tes bombes plus par ici, ça m'arrangerait en fait. Ici, balance-les par ici. Voilà, merci. Tu peux en balancer d'autres, là, ça m'évitera de le faire. Une là. Une ici peut-être. Ça, j'en ai pas besoin. Ok, une petite dernière là. Merci. Ah, il y a un autre jambon là. Ok, ça va quand même un peu mieux. Encore bien. Salle secrète à droite. Avec une clé. Jargal qui demande si le bonus de vie quand tu le prends ne te rend pas de. Ne te rend pas de vue. De vie tu veux dire? Le bonus de vie, quel bonus de vie? Les bonus de vie que j'ai pris, c'est. J'ai des bonus qui augmentent ma vie maximum.
Mais c'est tout ce que j'ai sur ce run. Trop bête, vous. Voilà. Ok. Non, le bonus de vie, quand tu le prends, il ne te rend pas de vie. Il augmente juste la vie maximum, mais il ne te rend pas de vie supplémentaire. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Shit. Ça, c'est pas bon. Ok. Ok. Ouais, je vois celui dans lequel tu veux parler. Non, il te donne pas de vie en plus. Sinon, je l'aurais chopé. Ok, on continue. On balance une bombe là. Oh putain, ça c'est très dangereux par contre. Il a des bombes très dangereuses lui. J'ai intérêt à faire gaffe. Il va vite falloir que je me débarrasse de toi, la pourriture. Ok. Ces bombes, elles sont très bien, mais quand c'est toi qui les portes, pas quand c'est l'ennemi. Trois clés. C'est quoi ça? Permet d'infliger des dégâts supplémentaires lors de coups critiques. Toujours serviable. Ça c'est cool. Hop. N'en profitez pas pour passer lorsque je suis en train d'affronter les ennemis là. Hein, bande de pourris. On va retourner voir le marchand. Steak. À la limite ça, mais. Ce stade du jeu, c'est plus une tente qu'il me faudrait. Toi, je t'ai flingué déjà, mais bon. Ok, nous voilà enfin dans la zone qu'il me reste à faire. Donc je ne sais pas si c'est la dernière zone du jeu, on verra bien. Vu qu'il y a de la grosse lave, je ne serais pas surpris que je ne sois pas très loin de la fin. Donc ici le boss je l'ai pas encore battu. J'étais arrivé jusqu'à lui, j'avais plus beaucoup de vie je crois. Donc on va voir. Si on récupère notre vie, peut-être qu'on arrivera à l'affronter. Toujours un vrai bonheur de se trimballer ça. Ouh, un truc qui enlève les malédictions. Buter tout seul ce con, ça m'arrange hein. Ah t'es pas mort toi. On va mettre une bombe ici. Double bouffe. Et là il y a un passage secret. Il faut absolument que je récupère de la vie. Oh, c'est beaucoup d'or ça. Un point d'armure, c'est cool aussi. Un peu de bouffe. Ah, plutôt cool. Plutôt cool. Ça, j'ai pas envie de laisser partir parce que c'est quand même 500. Salut Giver94 sur le chat. Giver qui me dit un stream à l'improviste. Alors, figure-toi, Giver, que j'ai. Depuis aujourd'hui, je teste d'avoir. En tout cas, j'essaie d'avoir un agenda. Que j'annonce à l'avance pour la semaine, qui n'est pas tout à fait à l'improviste. J'ai posé la question à la communauté et pas mal de gens m'ont dit que ça pourrait être cool d'avoir un agenda. Donc je vais essayer d'en avoir un là. J'en ai mis un sur le Discord. Et puis on va voir, hein. Puis si j'arrive à le tenir, on continuera.
En plus, je pense que ça peut quand même. Je veux dire, je fais ça de façon assez cool, mais. Mais je pense qu'un agenda pourrait quand même être pratique, sachant que. Il y a un décalage horaire entre vous et moi, quoi. En tout cas, entre la majorité des gens qui me regardent, vu que je sais qu'il y en a une bonne partie qui sont en Europe. Du coup, ça peut être utile. Oh putain. Ok, on va lâcher une bombe là. Voilà. Ah oui, je peux renvoyer les projectiles, c'est vrai. Quel moyen qu'il y ait des streams improvisés programmés, c'est diabolique. Mais non, c'est bien. Il faut penser aux gens qui peut-être voudraient passer mais ne savent pas trop et puis. Du coup, si j'annonce le stream un peu à l'avance, c'est mieux. Clairement pas l'objet le plus intéressant. Mais bon. On va le garder. Hein. Et je peux renvoyer les projectiles. Ça va quand même être plutôt cool. Toi, tu m'inquiètes un peu, là. La chauve-souris rouge. Ok, on l'a flingué. C'est le plus important. Plus fort que vous, hein. Vous devez automatiquement me piquer ma thune. J'ai l'impression que c'est des envoyés du gouvernement qui sont là pour te prélever tes taxes, quoi. Alors, un nouveau schéma. Poudre d'or. Ok, on verra ce que c'est. Il y a un hôtel ici, donc on va aller se prendre une... On va aller se prendre une bénédiction. Vu que j'ai l'occasion de me choper deux talismans. Est-ce que... Ah, il y a de l'or qui a popé, ok. Augmente la vie maximum. Vitesse de frappe augmentée. Augmente les apports d'or. Augmente les apports d'or. Je vais prendre ça. Plus de thunes. Non, je vais pas te l'acheter, sachant qu'il y en a une qui est gratos là. Je vois pas pourquoi je l'achèterais. C'est où déjà? Je sais plus où était le talisman. Là. Ah, il est là. Et ça, c'était pas très malin. Je suis pas allé à gauche, tiens. Ah putain, il me reste deux clés, ça c'est triste. Tant pis, je pourrais pas récupérer le coffre. Plus d'or. Deux points d'armure, j'étais peut-être pas obligatoire. Mais... Une bombe en plus. Là, je suis à 58 000 d'or quand même. Je crois que j'ai jamais eu autant sur un round. 58 000 pièces d'or, ça commence à être pas mal. Je sais pas où il les met, ces pépites d'or là dans sa poche, mais. Ce qui est sûr, c'est que même si on meurt, on va pouvoir améliorer notre personnage. Lâche une bombe là. Allez. Vous, si vous pouviez rester loin de moi, ça m'arrangerait. Ah, la clé, elle arrive un peu tard, malheureusement. T'arrêter, on va prendre l'or qui est là. Ah,
On va aller prendre le trésor. Chance d'enflammer vos ennemis au toucher. Ça peut me servir. Je sais pas si le boss de fin est sensible au feu par contre. Alors, Galwin qui dit une fois non. Zéro, ça a déjà été dit. Alors après, participez si vous avez envie de gagner la clé. Oh shit, toi je t'ai pas vu arriver. Alors, voilà une mauvaise nouvelle. Ok, on m'avait ouvert un passage secret, mais je t'ai pas vu arriver lui. Ça c'était pas très malin. Je prends cher là. Ok. Non, c'est pas deux fois non plus. Vas-y, on va faire péter ça. Pris au piège, mais il y avait un steak au moins dedans. Pas trop me plaindre non plus. Pris au piège avec un steak. Oh non, je voulais pas aller dans le vide. Je voulais vraiment pas aller dans le vide. Je vais pas foncer dans le trou. Ça m'aurait plutôt arrangé que t'ailles dans le trou. Donc, ce n'est pas zéro fois, ce n'est pas une fois et ce n'est pas deux fois non plus. Ça ou pas? Vas-y. On va se te tenter. Oh, ça valait le coup, je pense. Ça valait vraiment le coup. Ça permet d'éviter de tomber dans les trous. Parfait. Ah! Ah, je l'ai pas bu. C'était pas très malin de ma part. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Sinon, j'avais jamais utilisé. Ouais, je sais, au Grimus, il faudrait que je brûle de la viande, mais j'ai pas pensé à le faire. Bon, je récupère un peu de vie, mais... J'aimerais bien en trouver plus. Oh putain, ce monstre, il m'avait pas manqué. Ça tape ton pote. Ça, c'est pas une bonne nouvelle par contre. Je les aime vraiment pas. Ok. Il ne reste plus que ceux-là. Vraiment une sale gueule. Hein. Il reste lui là-bas. Ok, 192. Aurais-tu un gros gigot d'agneau? Non, t'as encore un petit steak de merde. Augmente temporairement la vie, ouais. Plein de thunes. Essaye d'éviter de tomber dans le trou. En récupérant la thune. Bombe. Qui se duplique là, c'est plutôt cool. Hop, voilà. Là, je suis bien riche là, ça fait bien plaisir. Il y a un passage secret à droite aussi. Je l'ai vu. Les Immurphy qui lit 4 fois, et c'est effectivement la bonne réponse. Donc, les Immurphy, tu as gagné la clé pour Monster Train. Je t'enverrai ça à la fin du stream. Voilà. Lazy Murphy a gagné la clé. Lazy Murphy pourra jouer à Monster Train très bientôt. Je l'ai effectivement terminé 4 fois. Fallout New Vegas.
Ok, on a récupéré pas mal de vie, ce qui est plutôt cool. Je t'en prie, Lazy Murphy. Hésite pas à me relancer si tu vois que j'oublie. Si j'y pense pas après le stream, c'est juste que j'ai oublié. Donc, tu peux m'envoyer un message via Discord et je te filerai la clé. Tendance à oublier ce genre de choses parfois. On va aller en haut, c'est un cul-de-sac. Je peux aller récupérer le... Vas-y. Ah bah avec une bombe j'ai pu le faire en plus. Cool. Très très cool. Ouais, c'était rentable de venir ici. Pas l'air d'avoir de passage secret. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait les... Ouais, je voulais lâcher une bombe en plein milieu de tout le monde parce que là, j'ai pas envie de faire dans la dentelle. J'ai beaucoup cette pourriture de blob qu'on profite là. Pour me piller tout ce qui est sur le... Tout ce qui est sur le sol. Et couvrir une bombe dans chaque coffre. Ça c'est un très bon objet aussi. Un petit... Oh là, oula, oula, oula. J'aime pas trop cette proximité avec tous ces ennemis là. Écoute, si vous m'attaquez pas, moi je vais en profiter. Voilà. Il y a une clé qui tombe du ciel comme par magie. Nous avons un coffre. Un peu de vie en moins, mais tellement d'or en plus. Avec même un petit steak. Oh putain, il y en a un qui m'a piqué ma pépite là. J'ai quand même gagné un peu de vie au final. Salut Britney sur le chat. Il y avait de l'or sur le mur du haut dans la salle précédente. Effectivement, j'ai pas pris l'or. Tu veux dire ici? Tu veux parler d'une autre salle? Oh, il y a du monde là. J'aime pas quand ils sont 150 000 sur moi comme ça. Faut bien aller récupérer la bombe aussi. Avec leur arme là. Putain, ils se font super mal en fait. Celle d'avant? Ok, j'irai voir. Alors, on m'a dit que j'avais oublié de l'or avant. Effectivement, j'ai oublié de l'or ici. Bien vu et merci, Britney. J'ai reperdu toute la vie que j'avais gagnée, malheureusement. Balance des trucs là. Des boules qui rebondissent partout. Ça va pas fort. Niveau santé là, ça va pas fort du tout. Alors, il y a de l'or ici. J'espère que le marchand a beaucoup de vie à m'offrir. C'est quoi ça? Recharge 4 points d'armure. Ok. Est-ce que j'ai besoin de recharger 4 points d'armure? Je vais le prendre, ça pourra toujours me recharger un, mais... Ça va coûter cher le point d'armure, mais bon. Vu le peu de vie que j'ai... On va pas lésiner, et puis je suis pas à 2000 pièces près là. Ouais, 184 points de vie, c'est pas la fête. C'est pas trop la fête.
Et je crois qu'on est... Ouais, on est dans la dernière... dans le dernier niveau de la zone. Il faut absolument que je reprenne de la vie ici. Si je veux avoir une chance pour buter le boss. Il a pas l'air impossible le boss, mais... 184 points de vie, c'est quand même très limite. Ah, ça c'est cool. Évidemment, faut qu'on arrive à finir la zone. Je vais voir que j'utilise mes bombes contre eux parce que, honnêtement, gâcher une bombe ou perdre 100 points de vie, je préfère gâcher une bombe. En tout cas, on est ultra riche. Alors, ça, c'est. Je crois que la dernière fois que j'avais fait un run, j'avais eu genre 40 000, un truc comme ça. Ok, ça c'est pas bon. Ils m'ont un peu tous pris par surprise. J'ai perdu de la vie. Point d'armure. On va aller voir ce que c'est. Ouais. C'est cool, mais une fois de plus, j'ai pas beaucoup de vie. On va essayer de pas y penser déjà, arriver jusqu'au boss. Oh putain, vous faites mal, vous. J'avais mon point d'armure là, heureusement, mais. Quand il y en a un ou deux, ça va, mais quand ils sont genre 5 ou 6, ça commence à être tendu. Là, par exemple, ça commence à être le bordel. Non, 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 je voudrais éviter de mourir. Ouais, celui-là. Ouais, 57, c'est pas un nombre de points de vie dans lequel je suis très content d'être, on va dire. Ça commence à sentir un peu le roussi là. Il reste de la vie quelque part? Où est-ce qu'il y a de la vie? Ici, ok. Le boss est à gauche. Ouais. Ouais, ouais, j'ai vu que dans le coffre il y avait un poisson. Bon, et ben on va aller affronter le boss avec 108 points de vie. Je sais pas si on va s'en sortir. Hein. J'ai à peine étudié ses patterns. Hop. Faut faire gaffe à tout ça. Et ramène-toi là. Oh, t'es un petit peu proche de moi là. J'ai des dégâts corrects avec mes dégâts de lancer là, mais. Ouch. Ah oui, c'était très malin ça. Je confonds en fait l'espèce de truc avec ce qui me tourne autour là. Ok, il est devenu invincible. Ce qui m'agace un peu. Toujours camouflé cette pourriture. Il n'est plus camouflé. Ah merde, 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 merde. Ouh, ça commence à sentir pas bon niveau vie là. Ouais, c'est juste un. Et un dernier. Ok. Yeah.
sent pas bon. Il est clairement pas impossible. Le problème, c'est d'arriver en bon état face à lui. On bouffe une bombe. Ouais, ça t'a pas vraiment fait beaucoup de dégâts. Je voulais pas marcher dans ces traces de pas enflammées, mais... Dommage. J'étais pas loin de l'avoir, là, cette ordure, en plus. Si j'avais eu 100 points de vie de plus, je pense que je l'aurais eu. Il est clairement pas impossible, hein. Comme vous pouvez voir, c'est pas un boss extrêmement dur. Je le trouve moins dur que le boss précédent. 1h23, quand même, le run, hein. Ogrimus qui dit c'était quand même une bonne run. Britney qui dit GG. Vous êtes gentil, mais j'ai quand même perdu, quoi. Mais bon, on a quand même fait un bon run, parce que là, je vais pouvoir améliorer... je peux améliorer mes dégâts de lancer. On va améliorer ses points de vie. Donc, je pourrais encore améliorer mes points de vie, ou je pourrais améliorer les dégâts de frappe. Points de vie. Tout est dans les points de vie dans le jeu. 60 000. Ouais, bah c'est quand même pas mal, hein. On a pu améliorer plein de trucs. Je peux prendre une bombe. Voilà. Super. Bon, je pars démarrer un autre run. Je pense qu'on a fait un bon petit run là. On a pu revoir le boss de fin. Que j'ai réussi à un petit peu mieux gérer que la dernière fois. Il lui restait, ouais, ça sert à peine un quart de sa vie. C'est juste une question de point de vie. Si j'avais eu toute ma vie, je l'aurais détruit sans problème, je pense. Donc sur ce, je vais quitter Undermine, lever l'overlay, et on va enchaîner comme prévu avec du Baldur's Gate 2 dans quelques minutes. A tout de suite!